papa. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Lele kaka kaka et papa do ha wo yira ola. Si tu es même en dehors de la clôture, tu es béni. Ceux qui sont dehors, j'aimerais te dire, même si tu es dehors, le miracle viendra à toi. Amen. Peu importe l'endroit où tu te trouves, jusqu'à la fin de cette rencontre, le miracle se produira dans ta vie assurément. Amen. 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 Maintenant, il est temps. Nous allons laisser le micro. Je t'ai déjà dit auparavant que là où tu viens, on appelle Jésus la solution. C'est Jésus qui est la solution. Puisque tu es là, avant de partir d'ici, tu auras la solution à tous tes problèmes. Humblement, nous allons transmettre le micro à son serviteur. Nous m'envie. Doji. Paul. Paul. Accueillons-le avec vos ovations. Acclamez très fort. Je me réjouis à ton égard. Parce que je vois déjà que Dieu changera ton histoire. Cette soirée est une soirée de restauration. Qu'il y ait une tempête ou non, qu'il y ait une cyclone ou non, je te rassure que ton histoire changera. Tu délivres ma vie de la main de mes ennemis. Ayez au doigt, Blona. Reste devant moi une table. Gagne Keto, Open Kume. En face de mes adversaires. C'est ma Wessia Minama. Wessia. La vie. Sur ma tête. Yakuya. Oh, yeah.
C'est des personnes que tu utilises. Tu as vu encore les moyens que tu pourrais utiliser. Mais parce que nous sommes bons. Amen. Et à cause de ta grâce. Papa, Père, nous voici. Nous nous confions à toi. Allez, que tu voudrais nous utiliser. Utilise-nous ainsi. Ton peuple est à l'écoute. À travers nous. Parle-leur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ben, mele akpe damna mao. Premièrement, je remercie Dieu. Aye megale akpe velia damna miabe sofo alo mele wezo domna miabe sofo yokata gale mianti wetro yakpe obafe no. Et je souhaite également bienvenue à tous nos chers pasteurs qui sont avec nous ce soir, y compris également leur épouse. Et papa Lem. Je n'oublie pas surtout mon papa, le doyen Lemou. Qui est encore parmi nous ce soir. Alléluia. Amen. Alors tu peux acclamer le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Bien que le papa soit épuisé, il a tout fait pour être également avec nous ce soir afin de bénéficier de la grâce que le Seigneur nous donnera ce soir. C'est vrai, nous avons l'habitude de prier ici. Mais spécialement ce soir, depuis le dimanche dernier, j'ai passé cette annonce à la radio. Que cette soirée sera consacrée pour intercéder en faveur de ces personnes-là qui connaissent la récession dans leurs différentes activités. Je vais humblement vous prier. Dieu nous a fait grâce. Lorsque j'ai passé cette annonce, nos pasteurs également se sont souciés de ces personnes-là qui méritent cette prière. Et par la grâce de Dieu, tous sont au milieu de nous ce soir. Alléluia. Amen. Et notre objectif principal concerne ceux-là qui ont étudié mais qui chôment, des diplômés qui chôment. Quiconque exerce une activité manuelle, tu as appris un métier que tu exerces, peut-être que tu l'exerces, mais rien ne marche. De même,
Amede le doa jo, amede le sanu, enwa me le zon. Il y a quelqu'un qui fait le commerce, mais rien ne marche dans son commerce. Toutes ces personnes, c'est eux que nous avions invités ce soir. Parce que... D'habitude, nous invitons les couples inféconds, nous invitons les célibataires, nous invitons les personnes mariées, mais spécialement ce soir, nous allons prier. Si tu exerces une activité et que rien ne marche dans ta vie, à partir de ce soir, tu obtiendras un changement dans tes activités. Elle a bien ta flatché. Permettez-moi de le dire, la pauvreté est aussi un esprit. Jésus l'a dit dans l'évangile selon Luc le chapitre 4. L'esprit du Seigneur est sur moi. C'est pourquoi il m'a oint. Afin de libérer les pauvres. Lorsqu'on parle de pauvreté, je l'ai toujours dit, lorsque tu prends une somme de 1000 francs et que Dieu te bénit, tu peux faire de ce 1000 francs là un milliard. Même si tu es lié par l'esprit de la pauvreté, tu peux prendre 1 milliard pour débuter ton commerce et avec les 1 milliard, tu vas te retrouver à 0 franc. C'est vrai. J'ai observé les choses et j'ai constaté que la pauvreté siège au milieu des chrétiens. Et nous qui sommes chrétiens, nous ne faisons que nous lamenter. Lorsque tu arrives à recevoir 100 personnes en audience, sur les 100 personnes que tu reçois, au moins 80 d'entre elles vont se lamenter que rien ne marche dans leur activité. Et il faut donc que Dieu intervienne dans vos problèmes. Amen. Dites Amen. Pour cela, humblement, je vais prier tous les participants au programme de ce soir que chacun ait sa pensée focalisée sur Jésus. Jésus a dit qu'il a été oint afin de d'enlever pour toujours la pauvreté. Et l'apôtre Paul dans son enseignement a dit que si nous avons la vie, il est riche, mais il s'est fait pauvre afin de faire de nous qui étions pauvres des personnes riches. Nous n'irons nulle part avec les biens terrestres, les biens matériels. Mais quiconque est vivant sur cette terre doit donc manger, doit s'habiller, se vêtir, il doit avoir au moins un dortoir, avoir ne serait-ce qu'un moyen de déplacement. De même qu'il puisse payer les frais scolaires de ses enfants. Mais si tel n'est pas le cas dans ta vie, tu vas bien sûr recevoir le baptême du Saint-Esprit. Tu vas prier bien sûr. Mais la pauvreté serait en train de tourmenter ou de troubler ton adoration de Dieu. Alors,
Le plus grand souci qui anime Dieu et qui m'anime également, c'est que le quartier dans lequel tu es, et tu invoques l'Éternel des armées, et il est dit qu'il est le riche des riches. Et dans cette famille-là, c'est toi qui demeures le grand mendiant. Cela n'aura plus lieu. Je dis, cela n'aura plus lieu. Le marché dans lequel tu es. Tu es l'enfant de Dieu dans ce marché-là. Mais tu n'as jamais la vente lorsque tu vas au marché. Tu ne fais que t'endetter et actuellement tu es sur le point de quitter définitivement le marché. Dieu s'élèvera ce soir et il interviendra dans ton problème. Tu as souffert, tu as étudié. Toutes les souffrances que tu as connues pendant tes études, finalement tu as obtenu les diplômes. Tu as postulé pour tous les concours possibles. Mais jamais tu n'es retenu. Après le programme de ce soir, partout où tu feras tes dépôts de dossiers, l'Éternel agira afin que tu sois retenu. Il est Dieu qui s'était manifesté. Et il continue par le faire. Lorsque je vous ai vu, soyons francs, lorsque je suis venu m'asseoir, j'ai commencé par couler les larmes. Je me suis dit, ah Éternel, c'est toi que ce peuple cherche ainsi. Je prie. Tout ce que vous cherchez avant de venir ici, que Jésus vous l'accomplisse. Que Jésus vous les accomplisse. Alors si tu m'écoutes, cela s'accomplira dans ta vie. Apprendre un métier. Adouaya. Et souffrir. C'est seulement de nos jours qu'on ne frappe plus les apprentis. Lorsque nous autres nous étions apprentis, Jésus interviendra dans ta situation. Alors au moment où nous autres nous étions encore apprentis, lorsqu'on t'apprend quelque chose, et vu la durée que tu passes déjà en apprentissage, tu devrais normalement maîtriser la chose. Et que malheureusement, tu ne maîtrises pas bien la chose, on te tape correctement dans la main, dans le cadre de te redresser. Et il y a certaines personnes qui ont souffert, qui ont passé 2 ans, 3 ans, voire même 4 ans en apprentissage. Et après toutes ces peines, toutes ces souffrances, tu sors maintenant, tu ouvres ton atelier et rien ne marche dans ta vie. Si tu traînais de telles difficultés avant de venir ici, à travers la prière que nous allons faire ce soir, le Seigneur enlèvera ces difficultés de ta vie. Nous allons bien sûr prier, mais Seigneur, écoute bien ceci. Mais j'en suis convaincu. Seigneur, du fond de mon cœur. Oh, 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 ah. Que ça change. Mais carré, tu le Oh,
Avant de lire le texte de ce soir, une minute, s'il te plaît, nous allons tous ensemble prier pour ce pays. La Bible nous recommande de prier pour le pays dans lequel nous sommes. Et si le pays prospère, nous aussi nous prospérerons. Toutes les bénédictions auxquelles nous aspirons actuellement, s'il n'y a pas la paix dans ce pays, nous ne pourrions en aucun cas les avoir. Alors la paix. C'est parce qu'il y a la paix que toi et moi nous sommes ici. Lève ta main, dis Éternel. Nous nous tenons à la place de tous les Togolais. Et nous demandons la paix de l'Éternel. Prie maintenant pour ce pays. La paix. Toi et moi, nous allons demander cette paix. Toi et moi, nous allons demander cette paix. La paix. La paix divine. Toi et moi, nous allons la demander. La paix. La paix céleste. Toi et moi, nous allons la demander. La paix. Pour ce peuple, Yehovah, Éternel, c'est des personnes que tu as placées à la tête de ce pays. Donne-leur de l'intelligence et mets en eux ta grâce. Afin qu'ils dirigent les nations dans la paix. Ta bonté le fera. Ta miséricorde le fera. Yehovah, Éternel Dieu, la paix. La paix à tous les citoyens au pays comme à l'étranger. La paix. Que la paix possède tous les cœurs. Merci Seigneur. Amen. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Alors si dans la suite. Passons dans l'esprit me pousse à ce que nous puissions recevoir la paix de la part de l'Éternel. Amen. Cette paix-là va nous protéger tous ici. Alors, lorsqu'une personne travaille, l'entente c'est que dans ce travail-là, il obtiendra un bénéfice. Que tu sois cultivateur, que tu sois éleveur, il faut que tu aies un gain à travers ton travail. Nous allons humblement prendre nos Bibles et lire un texte biblique avant de prier. Nous allons donc prendre nos Bibles. Et nous allons lire dans Proverbe. Proverbe. Ne fifige aha dafu de nye mawu fe nko
Oh. Amen. Amen. Nous lisons dans Proverbes le chapitre 30, les versets 7 jusqu'à la fin du 9e. Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Le 9e verset. De peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le livre des Proverbes, c'est des proverbes de Salomon. Mais d'autres auteurs ont écrit également certaines parties de ce livre. Et cette partie que nous venons de lire constitue la prière d'un homme. Dans les moments difficiles, au moment où il était envahi par la disette. Tout comme toi et moi aujourd'hui, nous traînons la récession dans nos différentes activités. Nous nous endettons. Nous avions fait le champ, ça n'a pas marché. Le commerce, ça n'a pas marché. L'élevage, ça n'a pas marché. Cet homme aussi était un homme qui a aimé Dieu, mais qui avait connu aussi la récession à l'époque. Et dans ses épreuves, c'est en cela qu'il est allé à la face de Dieu. C'est suite aux difficultés, suite aux épreuves, que l'on cherche à rencontrer Dieu, à poser des questions à Dieu. Je voudrais encore vous le dire. Nous ne sommes pas les premières personnes à connaître la récession dans les activités. Lorsque vous lisez un peu le passage de cet homme, vous allez découvrir que premièrement, c'est quelqu'un qui cherche à craindre Dieu. Lorsque la personne dit, je te demande deux choses, ne me les refuse pas avant que je ne meure. Ne me les refuse pas avant ma mort. Ça veut dire que la personne cherche aussi à craindre Dieu. Quelqu'un peut aussi craindre Dieu et ne pas réussir dans ses activités. Mais lorsque cet homme a découvert que la solution ne se trouve pas seulement dans son effort, il est allé à la face de Dieu avec ce problème. Ne me les refuse pas, je te demande deux choses. Le mensonge ou la fausseté. La fausseté et la parole mensongère. Éloigne-les de moi. Pourquoi doit-il donc mentir? Pourquoi doit-il prononcer des paroles mensongères? C'est parce qu'il a découvert que la pauvreté peut le mener jusqu'à ce point. Alors, la pauvreté mène l'homme dans différentes difficultés. Aujourd'hui, Dieu va te libérer de cette pauvreté. Dieu va te libérer de cette pauvreté. Et lui de Dieu répondait une fois encore, amen. Alléluia. Amen. Et que la fausseté et la parole mensongère s'éloignent de moi. Amen. 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 Quelqu'un s'est endetté. Et le créancier a prévu un temps. Alors, très tôt le dimanche matin, le créancier a prévu venir. Il est rentré dans la chambre et a dit à son fils de rester à l'entrée de la chambre.
Et si la personne vient, si le créancier vient, que l'enfant dise au créancier que la maman n'est pas là. Effectivement, lorsque le créancier est arrivé, celui qui s'est endetté est un chrétien. Le dimanche matin, le créancier était arrivé. Et au créancier de dire, je cherche la maman. Et à l'enfant de dire, maman m'a dit de te dire qu'à ton arrivée, elle n'est pas là. Maman m'a recommandé de te dire qu'elle n'est pas là. Et le créancier a donc compris que celui qui lui doit de l'argent est là. Et rapidement, elle a pris un escabeau pour s'asseoir à l'entrée de sa chambre. La maman sentait le besoin de faire la toilette à l'intérieur. Elle n'a pas de WC douche interne. Elle a tout fait pour se maîtriser par rapport à ce besoin, mais les selles voudraient forcément sortir. Elle avait faim doudou. Car la pauvreté, l'endettement l'avait donc conduit dans le mensonge. Tu souffres. Et quelqu'un dans sa libéralité t'a fourni des marchandises. La pauvreté t'a encore conduit dans la dette. Et tu as commencé par fuir tout le monde. La souffrance a même mis dans ta bouche le mensonge. Lorsqu'on t'appelle au téléphone, tu es à un endroit X, mais tu dis que tu es quelque part d'autre. Aujourd'hui, tu en seras libéré. Aujourd'hui, Dieu t'en libère. Celui-ci dit, alors imaginez un peu ce qui est arrivé à cette femme. Ce dimanche-là était gâté pour elle. Il n'y a plus histoire d'église. Elle avait fait ton ami. Parce que le créancier est là. Fait ton ami. Le créancier est là. Agurubere. Agur a dit. Maou, nous aimons bien. Dieu, je te demande deux choses. Mais gâtez-moi. Ne me les refuse pas. La fausseté et la parole mensongère. Éloigne-les de moi. Et ce qui va lui conduire donc à mentir et à prononcer de la fausseté, c'est pourquoi il a dit, ne me donne ni pauvreté. Ne me donne ni pauvreté. Alors s'il est pauvre, la pauvreté, la souffrance va le pousser donc dans le mensonge. Ce qu'il n'allait pas imaginer, ce qu'il n'allait pas dire, à cause de la souffrance, il va commencer par les prononcer. S'il y a quelqu'un qui m'écoute quelque part, Dieu a bien créé tout le monde. Trois choses sont à la cause de la pauvreté. La première des choses, c'est d'être né dans une famille pauvre où personne ne réussit. Toi, parce que tu es venu ici, je te rassure que tu réussiras et tu réussiras encore. Ce que personne n'a été parmi les enfants de votre père, c'est toi qui seras cette personnalité. La deuxième chose, c'est les démons, les esprits qui sont dans vos familles respectives. Les esprits de sorcellerie. Tu es né dans une méchante famille. Cette famille, elle est tellement perverse. Ils détruisent l'économie des gens. Tu vas bien sûr avoir des richesses ou des biens matériels, mais d'un seul coup, tu vas chuter. C'est eux qui en ont la cause. Job avait une grâce particulière dans sa vie. Et Dieu avait protégé toutes ses richesses. Satan l'a recherché. Et lui-même, il est allé dire à
Dieu, si tu me permets, ça prouve que si Dieu te bénit et ne protège pas ta bénédiction, les sorciers vont détruire et saccager ta bénédiction. Et tu reviendras à zéro. On dira que tu as été riche. Mais aujourd'hui, Dieu te bénira. Il ne va pas simplement te bénir. En plus de la bénédiction, il t'accordera aussi sa protection. Si un sorcier se dit fort dans votre famille, que c'est lui qui détruit la bénédiction des gens, l'Éternel les écrasera un à un. Alors pendant que je parle, cette parole porte chair dans ta vie. Cette parole porte chair dans ta vie. Cette parole porte chair dans ta vie. Alléluia. Amen. Minotom. Écoutez-moi s'il vous plaît. Dans votre famille, tu es le milliardaire. Mais écoutez, les sorciers ont l'habitude de l'échanger. Ils vont faire de toi la dernière personne de la famille, la personne la plus pauvre. L'Éternel va arracher ta position de leurs mains. Le ciel va arracher ta position de leurs mains. Amen. Répondez. Amen. Mais pour nous j'ai parlé de la première cause de la pauvreté, c'est la malédiction. La deuxième, mais pour nous j'en ai parlé, c'est les esprits de famille. Et la troisième cause, c'est que si tu mènes une vie dans le péché et que tu ne te repens pas de ton péché, mais tu connais Dieu, Psaume 112, le verset premier dit: heureux l'homme qui craint l'Éternel. Alors si tu crains l'Éternel et en plus de cela tu es persécuté par les sorciers, par les démons, Dieu t'apporte rapidement et promptement secours. Amen. Amen. Il dit ni richesse. Alors s'il parle de richesse à l'excès, ça prouve que par cela plusieurs personnes ont déraillé. Il ne voudrait pas aussi perdre son âme. Il y a certaines personnes qui cherchent la richesse, par tous les moyens possibles. Partout où il peut passer pour obtenir l'argent. Faut pas faire pour ce qu'il ne doit pas vendre, il doit le vendre. Le mensonge qu'il ne doit pas prononcer, il prononce ce mensonge. L'idée d'obtenir un intérêt, un gain sale. Et bien nous allons vivre juste pour un temps sur cette terre. Et la vie que nous aurions sur cette terre, environ 100 ou au plus 120 ans nous allons vivre. Mais après notre départ sur cette terre, nous irons dans la vie éternelle. Alors lorsque vous écoutez bien la version d'Agur, il voudrait que Dieu le bénisse. Mais il voudrait aussi qu'après sa bénédiction, il ne va pas obtenir la richesse au point d'oublier Dieu. Quelqu'un l'a dit dans la Bible. Et Jésus a parlé en parabole. Un homme a fait un champ. Mathieu, il a obtenu plein de richesses. L'année suivante, il a obtenu encore plein de choses. Et il s'est dit, mon âme, mange et bois. Parce que ce que tu avais obtenu, est-ce que tu viens d'obtenir encore? C'est assez grand. Voilà.
Eh bien, ce n'est pas son âme qui a obtenu ses richesses, c'est son corps. Le salut de son âme se trouve dans la parole de Dieu. Quand tu vois toutes ces choses, mon âme, il se réjouit à l'endroit de ses biens matériels, de ses biens physiques, oubliant que l'âme appartient à Dieu et un jour nous rendrions compte par rapport à notre âme. Toi et moi, nous allons prier aujourd'hui. Dieu va commencer par te bénir. Mais sois ferme. Aie toujours tes deux pieds en Jésus. S'il y a quelqu'un dans ton quartier, dans ton service, dans ton marché, et que la personne s'enrichit par le pouvoir d'un autre esprit, aujourd'hui tu dépasseras ces personnes. L'Éternel des armées, il t'élèvera, tu dépasseras ces personnes. Ces paroles que je prononce, qu'elles s'accomplissent dans vos vies. Qu'elles s'accomplissent dans vos vies. Alléluia. Amen. Pour cela, lorsque vous écoutez ou vous suivez bien la version de cet homme, des gens, c'est parce qu'ils sont riches à l'excès qu'ils se posent aujourd'hui la question ou qu'ils demandent aux gens à savoir qui vous a dit que Dieu existe. Alors sa crainte ou cette peur-là animait cet homme. Il ne voudrait pas ressembler à de telles personnes. Il n'est pas contre la richesse, mais il a demandé à ce que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Aujourd'hui, Dieu te bénira aussi. Amen. Il demandait des choses à Dieu dans la prière en disant, Alors, si la pauvreté s'installe, la pauvreté peut toutefois le pousser à voler, à commettre la kleptomanie. Et il offenserait donc Dieu. Amen. 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 Un jour, un monsieur est allé au champ. Arrivé au champ, il a constaté qu'il y avait quelqu'un qui était en train d'arracher ou de déraciner ses maniocs. Il a dit, ah. Et il lui a posé la question à savoir, n'es-tu pas allé à l'église aujourd'hui? Il a dit à celui qui la personne qui déterrait, donc le manioc a dit non, aujourd'hui je ne suis pas allé à l'église. Mais pourquoi es-tu venu ici? Est-ce que c'est ton champ? Il s'est agenouillé, il a commencé par demander pardon. Aujourd'hui mes enfants n'ont rien mangé. Longtemps j'ai réfléchi. Même si je vais dans le champ des gens, ce serait pas bon pour moi. Je me suis dit que c'est seulement dans ton champ que je peux venir. Ce monsieur, le propriétaire du champ, a été encore ému de compassion pour le voleur qui était là. Si c'est vrai ce que tu dis, que tu n'as rien à manger à la maison, la quantité qui peut vous satisfaire à la maison déterre cette quantité-là. Au départ, écoutez-moi s'il vous plaît. Au départ, il n'avait pas demandé. Il était en train de voler. Si le propriétaire du champ n'était pas un monsieur rempli de bonté, il allait le frapper à mort. Christ,
chrétien, ma ouvi, enfant de Dieu, nanyabe, je voudrais te faire savoir, tu n'es pas la première personne à être pauvre, tu n'es pas la première personne à souffrir, tu n'es pas la première personne à connaître la récession. Nos aïeux qui ont craint Dieu à l'époque, l'un d'entre eux, c'est son histoire que nous lisons. Son nom est Agur. Il dit lui que Dieu lui refuse deux choses. La fausseté, le mensonge, que Dieu les enlève de son chemin. Voilà, mais qu'il ne permette pas ce qu'il soit pauvre. Que Dieu ne permette pas ce qu'il soit pauvre. Et bénis-moi. Afin que je puisse être dans ta volonté, bénis-moi. Alors, lorsque tu gagnes du travail et que tu loues une maison, et que tu paies les frais de loyer, tu arrives à payer les frais scolaires de tes enfants, et tu arrives à épargner un peu, tu as encore de l'espoir qu'un jour tu réussiras ta vie. Mais quand le jour se lève, tu ne trouves même pas ce qu'il faut préparer à tes enfants. Ils ont été renvoyés à l'école pour les frais scolaires. Et tu seras donc rempli de soucis. J'ai dit, souvent je rends ce témoignage au camp et entre temps je l'ai rendu aussi ici. Un de nos papas aujourd'hui n'est plus vivant. Il nous disait qu'il était allé à un jeûne et prière. Et au cours du jeûne et prière, quelque chose s'est passé. Vous savez ce qui s'est passé? Oh, praise God. Alléluia. Il arriva. Une dame avait mis du maïs au feu, préparant ce maïs pour qu'après le jeûne, elle revienne manger de ce maïs. Elle n'avait rien à manger dans sa maison. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant que la prière s'amplifiait, la dame a commencé par crier dans la prière, mon maïs au feu, mon maïs au feu, mon maïs au feu. Elle se rappelait qu'elle avait mis du maïs au feu. Elle se souvient que peut-être l'eau peut finir sur le maïs et cela peut griller le maïs. Et après le jeûne, c'est ce qu'elle va manger comme nourriture. Elle-même n'était plus consciente de ce qu'elle disait dans la prière. Et le pasteur en question nous disait qu'il a envoyé à ce qu'on l'amène hors du temple pour l'interroger. Et les diacres sont allés l'interroger, madame. Mais pourquoi est-ce que vous criez ainsi? Et elle a posé la question, qu'est-ce que je disais? On lui a dit, tu disais mon maïs au feu, mon maïs au feu. Elle a dit, ah bon, c'est ce que je disais? On lui a dit oui. Elle a dit, je ne le savais pas. C'est vrai, j'ai mis du maïs au feu à la maison. Et qu'après le jeûne, c'est ce que je vais manger. Puisque j'ai même ma pensée sur ce maïs là qui était au feu, je ne savais même pas que j'étais en train de prononcer cela ici. Aboda. Maïs au feu. Le maïs qu'elle était en train de préparer à la maison. Ce maïs là avait arraché cela avait arraché la prière de sa bouche. La pauvreté avait inséré une autre prière dans sa bouche, c'était mon maïs au feu. Aujourd'hui que l'Éternel chasse la pauvreté de ta vie, l'Éternel chasse la souffrance de ta vie, voilà, bénédiction vienne sur ta vie. Amen. Répondez amen. Yentia. Voilà pourquoi je le dis tout le temps, j'ai observé ce
monde. Et j'ai constaté que ceux qui ont le plus besoin de la bénédiction, c'est les chrétiens. Car c'est nous qui organisons des campagnes d'évangélisation. C'est nous qui donnons les choses dans la maison de Dieu. C'est nous qui achetons des terrains pour bâtir des églises. C'est nous qui connaissons d'ailleurs la dîme. Le monde ne le sait pas. Mais c'est le monde qui s'enrichit plus que nous. Ce soir maintenant même. Écoutez d'abord. Lorsque vous allez un peu dans le bûcheron à cette heure, ou dans certains hôtels, vous verrez des porcs rôtis sur la table. Des différentes gammes de boissons qui entourent cela. Et ailleurs, tu verras différentes catégories de bières sur table. Et amen. Aujourd'hui, c'est ta situation qui te rate ta vie pour toujours. C'est ta situation qui te rate ta vie pour toujours. Alléluia. Amen. Du moment où quelqu'un est en train de payer 50 000 francs pour ce qu'il a mangé en une heure de temps, il y a un chrétien quelque part qui est en train de chercher 1000 francs qu'il ne trouve pas. Un chrétien qui cherche ne serait-ce que 500 francs, il ne trouve pas. Un chrétien qui n'arrive même pas à trouver le savon pour la douche. Si tu étais lié par cet esprit de pauvreté avant de venir ici, aujourd'hui même, à partir de ce soir, cet esprit de pauvreté quittera ta vie pour toujours. Il y a plusieurs personnes ici qui sont renvoyées pour les frais de loyer. Tu n'arrives pas à payer les frais de loyer. Et on t'a coupé le courant. On t'a coupé aussi l'eau. À cause de la pauvreté. Aujourd'hui, le ciel intervient dans ces situations. Toi seul connais ce que tu traverses. En plus de toi, c'est Dieu. Celui qui le connaît, qui maîtrise la situation plus que toi, même c'est l'Éternel. Écoutez. Quel est cet homme sage qui aime son enfant? Il est riche. Et l'enfant aurait faim. L'enfant n'aurait pas de dortoir. L'enfant n'aurait pas de vêtements à porter. Et cet homme serait là à se réjouir à l'endroit de cet enfant. Si humains que nous sommes, nés des femmes que nous sommes, nous pourrions agir ainsi à l'endroit de nos enfants, l'Éternel accepterait-il afin que toi et moi nous périssions dans de telles situations? Il te sauvera promptement ce soir. Il te sauvera promptement ce soir. Aidez-moi à dire amen. Il dit, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Le pain qui m'est nécessaire. Alors l'homme doit donc travailler afin d'obtenir un gain de ses propres mains. Cela ne voudrait pas dire que quelqu'un d'autre ne va pas te donner quoi que ce soit. Non. Si tu prospères, vas-tu espérer à ce que quelqu'un vienne te donner quelque chose? Toi aussi, tu vas plutôt offrir aux gens. Tu avais l'habitude de te lamenter et que les gens continuaient toujours par te donner. Mais après cette prière, c'est toi qui donneras aux gens. Alors, si je suis vraiment un serviteur de Dieu, Dieu m'exauce, il exauce ma prière. Que ces paroles s'accomplissent dans vos vies. Que ces paroles s'accomplissent dans vos vies.
dit que ses paroles s'accomplissent maintenant dans votre vie. Alléluia. Amen. Écoutez. Les diplômés. Ne cherche pas forcément un travail qui équivaut à ton diplôme. Puisque tu n'as pas encore obtenu un travail qui équivaut à ton diplôme, trouve simplement quelque chose à faire. Ce que l'on doit faire pour gagner son pain quotidien ne doit pas constituer un objet de honte. Non. N'aie pas honte de ton travail que tu achètes. N'aie pas honte de ton commerce. Dieu attend que tu démarres une activité pour que par cette activité là il te bénisse. Alors c'est un exemple que je donne, hein. Tu peux mettre ton diplôme de côté et dire Yehoah, ce sable là éternel ce sable que je veux vendre ou papier hygiénique que je veux Yehoah, vendre papier éternel, ce papier hygiénique que je veux vendre bénis-moi à travers ceci. Dieu va commencer par te bénir. Il va commencer par te bénir à travers cette activité-là. Imaginez. L'université de Lomé est débordée, l'université de Kara aussi est débordée. Où se trouve donc cet emploi pour que tous nous puissions travailler dans un bureau un jour? Non, il n'y en a pas. Non. Nous tous, nous allons trouver ce boulot, cet emploi-là, le bureau. Trop sous oué. Change ta mentalité. Nos grands-parents, dans la Bible, ils labouraient simplement le champ. La terre ne trompe pas. La terre n'entraîne pas la dette. Tu ne peux pas t'endetter pendant que tu laboures le sol. Non. Abraham, Isaac, Jacob, Job, toutes ces personnes, c'était par l'agriculture et l'élevage que Dieu les avait bénis. Alors si tu es à Lomé et que tu constates que rien ne marche à Lomé, il faut changer de mentalité et retourne simplement au village ou trouve simplement une zone. Si tu n'arrives pas à acheter aussi un terrain, il faut juste louer un terrain quelque part, rentre dans le champ, 10 hectares. Quelqu'un a fait 10 hectares de champs de manioc. Et la personne a vendu 63 millions de francs CFA de manioc. Le manioc, hein? Mais ça dure juste un an pour la production du manioc. Lorsque tu prends juste 50 000 francs de cette somme, tu vas aussi démarrer encore un autre commerce. Ton papa a plein de terrain au village. Ta maman a plein de terrain. Et il faut donc que tu utilises ce terrain afin de te faire du bien. Mais tu tiens toujours tes diplômes en main, tu es toujours dans la même chemise, dans les mêmes chaussures. Et les 25 000 francs que tu gagnes par mois, jusqu'à quand pourrais-tu économiser de l'argent pour célébrer ton mariage? Jusqu'à quand pourrais-tu faire des économies pour payer la dot de ta fiancée? Diplôme là, eh bien, tu as déjà un diplôme universitaire. Mes chers parents, Dieu nous a bénis non seulement par le champ, tu es en train de faire un commerce. Le commerce ne marche pas. Change un autre commerce. Oui. Adolibou, change de phase pour le commerce. Adolibou, il faut changer de phase pour ton commerce. Cela pourrait donc t'aider. Oh, amen. Amen. Eh bien, tu
Tu dis que tu es déjà admis à la retraite. Mais tu as encore un peu de force. Tu avais des terrains. Ces terrains-là dorment là-bas. Va vendre juste un terrain. Et viens ouvrir une boutique. Et embauche quelqu'un dans la boutique. Tu ne vas plus passer assez de temps au service. Écoutez-moi s'il vous plaît. Aïe! Tu vas aller avec Gao Nene vers 10h. Gaouive et Gbagbo. Déjà à midi, tu rentres à la maison. Avant dans l'envie, tu dors un peu. Nene Makia. De même, ne wetrok badji vers la soirée. Ne Gbagbo Danenaï. Autour de 16h, tu peux encore aller. Abalen Kudamei le fiasia menti. Et tu fais un peu le suivi de celui qui gère la boutique. Zanena Gbagbo. Et quelques temps plus tard, tu reviens à la maison. Ayadoudou ala Djoledjo. La souffrance va te quitter. Mais ton terrain est en train de dormir là-bas. Mais tu souffres dans la maison ici. Et tu dis que si tu vends ce terrain-là, c'est ce qui reste comme héritage à mes enfants. C'est ce qui reste comme héritage à mes enfants. Si Dieu veut te bénir, après ta retraite, si Dieu veut te bénir, et que tu obtiens un peu d'argent, tu commences un petit commerce et tu commences à prier pour ce commerce. Et tu dis, je chasse la pauvreté, je chasse la souffrance. Avec Bobina, tu verras que vide que yo là n'ont pas les semaines de camé à gakemo le ou fonctionner mais doit au mettre pas salaire ou le tir de quatre. Tu obtiendras un bénéfice dans un intervalle d'une semaine. Ce bénéfice là, tu ne l'as jamais obtenu quand tu étais encore fonctionnaire. Tu n'as jamais obtenu ce bénéfice-là quand tu étais fonctionnaire. Tu es fonctionnaire d'État. Mais ta pensée te dit de faire juste un prêt. Acheter un véhicule ou une moto pour ton déplacement. Après avoir remboursé cette dette, tu fais encore un prêt pour acheter un terrain. Toi et tes enfants et ta femme, vous serez coincés dans votre maison là-bas. Car, parce que tu as fait un prêt, et nous, on le sait, les choses deviennent un peu dures. Voici. Mais écoute, le prêt que tu feras pour acheter un terrain là, prends ce prêt-là et investis-le dans un commerce. Après un an, tu vas acheter ce terrain-là. Et le commerce serait toujours là. Mais si tu n'as pas eu cette idée, on serait en train de te prélever ce prêt-là sur 5 ans. Que la mentalité du chrétien s'éveille. Et que tu sortes de la pauvreté. Lorsque tu sortiras de la pauvreté, Dieu changera ton histoire aujourd'hui. Je dis, et à cette phase de la vie où nous sommes arrivés, nous devions bien sûr prier, mais en plus de la prière, nous devions ajouter le travail. Après notre départ de ce lieu, que Dieu te donne de l'intelligence, qu'il t'oriente vers un nouveau commerce. Ce que les gens n'ont pas considéré, c'est ce que toi tu vas commencer et les choses vont évoluer par là. Partout où tu te trouves dans ce monde, ici, dans cette enceinte, et tu traînes la souffrance dans ta vie. Et le ciel nous a réunis ici. Il change ton histoire ce soir. Lève-toi et déclare éternel. Ce n'est plus Agur qui t'adresse cette prière. Appelle ton nom. C'est moi le lognon sans dire. Nous sommes là. Ce que tu éloigneras de moi, c'est la souffrance. Le mensonge et la fausseté. Ne me les donne pas. Ce n'est plus Agur qui t'adresse cette prière. Mais c'est moi qui t'adresse cette prière. Je dois obtenir du pain à travers mes efforts. Alors esprit de pauvreté, plus bagage maintenant. Pauvreté. Et nous, massa. La main vente.
et dans ma power. Le chômage. Ahedada. La pauvreté. Et fait doudou. L'endettement. Et nous, massa massa. La mévente. Ajodo magno et lagni magno. Récession dans le commerce, récession dans l'élevage. Fifi là. Maintenant même. Maunetrom yabentinya. Que Dieu change votre histoire. Yehova Zebote. Éternel des armées. Yehova Zebote. Éternel des armées. Mouchikokeba feto. Dieu de toute gloire. Maunta menyoto. Dieu de bonté. Mawa melola. Dieu d'amour. Mawa menouvela. Dieu de grâce. Mawa metakola. Dieu celui qui protège. Damesu. L'heure a sonné. Ben a trop vu au bentinga. Afin que tu changes l'histoire de tes enfants. Fifi lai. Maintenant même. Damesu. L'heure a sonné. Ben a trop vu au bajo. Afin que tu changes le commerce de tes enfants. Ameyo sroda. Ceux qui ont appris un métier. Ameyo la jodom. Ceux qui font le commerce. Jésus Christo. Jésus-Christ. Trova bentinga. Change leur histoire. 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 Marande beke teke. Tomba serianda. Ma serianda la bayande. Ma serianda la bayande. Trova Jésus ben comme. Au nom de Jésus. Mido tom. Écoutez-moi. Migbo amen. Dites amen. Mais bena mi benu eto. Je vous ai dit que trois choses sont la cause de la pauvreté. La première des choses, c'est la famille dans laquelle tu es né. Ou le village dans lequel tu es né. Personne n'évolue dans cette zone. Je dis, toi, tu évolueras. Ouvre ta bouche et dis éternel. Toute malédiction confondue de mon village natal. Toute malédiction confondue de ma famille d'origine. Et personne ne réussit. Moi je crois en toi Jésus. Je brise cette malédiction. Esprit ou malédiction de pauvreté. Malédiction de pauvreté. Je brise cette malédiction de ma vie. J'invoque le feu sur cette malédiction. Je brise ces liens. Esprit de pauvreté. Je l'écrase maintenant. Dans le nom de Jésus. Esprit de pauvreté. Je l'écrase maintenant. Jusqu'à ma descendance à venir. Cet esprit-là qui ne voudrait pas voir la prospérité. Je le chasse au nom de Jésus. Je me lève contre cet esprit. Au nom de Jésus. Le Togo. Ici au Togo. Africa. En Afrique. Et dans le monde entier. Les enfants de Dieu qui sont dans la pauvreté. Et qui prient maintenant même. Qu'ils soient libérés de ces liens. Jésus Christ. Jésus Christ. Tu dis que tu as été loin. Pour ma cause. Afin que partout où tu passeras. Que la souffrance s'en aille. Que l'endettement s'éloigne. Que la mévente s'éloigne. Que le chômage s'éloigne. Au nom de Jésus. Amen. Répondez amen. Amen. Qu'un ennemi dise amen. Écoutez-moi s'il vous plaît. Nous allons encore prier. Oh, amen. Amen. Alors je le disais. Que la malédiction domine certaines familles. Tu peux être riche, mais finalement tu deviens
tu reviens à zéro. Mais d'autom, écoute. Apostle Paul blabena. L'apôtre Paul a dit blabé blé blabé apeto Yesu. Répète avec moi, Seigneur Jésus. Et tanye ne va dahedo. C'est à cause de moi que tu t'es appauvri. Et va que si notre ton n'y a fi. Eh bien, tu es une personne riche. Blessu su yabe nyama va su que si notre toi. Afin que moi je devienne riche. Bien que tu sois riche, tu t'es appauvri. Pour cela, avoir été riche et revenir à zéro, je le chasse de ma vie. Être riche et devenir un mendiant, je le chasse de ma vie. Être riche et devenir encore un mendiant. J'invoque le feu sur cet esprit. Je plie bagage à cet esprit. Jéhovah se beauté. Éternel des armées. Tes enfants sont prêts. Le peuple de Dieu est prêt. Jéhovah se beauté. Je le chasse maintenant. Je le chasse maintenant. Je le chasse maintenant. Je le chasse maintenant. Écoutez-moi s'il vous plaît. Écoutez-moi s'il vous plaît. J'entends la voix qui me dit, l'esprit est en train de dire à quelqu'un, penses-tu aussi vivre pour bénéficier d'une richesse? L'esprit qui parle ainsi à l'oreille de quelqu'un. Tu entends la voix qui te dit, toi tu ne vivras pas pour jouir de tes bénédictions. L'esprit a menti. Répète éternel. C'est une mauvaise voix que j'entends. Que quelqu'un reçoit à son oreille. Que la personne soit déjà tuée. Ou ce soit un complot de mort. Oh, ils ont menti. Reprimandons la mort. Reprimandons la mort. Reprimandons la mort. Je chasse le séjour des morts. Je chasse le séjour des morts ici. De ma vie maintenant. Pour Jean l'Esprit. Ayant un mauvais projet pour tuer quelqu'un auprès de sa bénédiction. Ils ont menti. Ils ont menti. Cet homme ne mourra pas. Cette femme ne mourra pas. Ce jeune homme ne mourra pas. Ce pasteur ne mourra pas. L'épouse de ce pasteur ne mourra pas. Ils ont menti. Ils ont menti. Ils ont menti. Marabakata. Marandoka. Omboshende. Masurianda. Le Yesu ben kome. Au nom de Jésus. Minotom. Écoutez-moi. Ayata amemala. Pour cette raison que le ciel me localise maintenant cette personne. Kambo riandaya. Alors tu entends cette voix qui te parle. Tu ne vivras pas pour jouir de tes bénédictions.
Je dis encore que le Saint-Esprit te localise là où tu es. Et qu'il te libère de la main de ce méchant. Qu'il te prenne là où tu es. Au nom de Jésus. Une fois que cette personne reçoit la délivrance, amenez-le devant et nous allons continuer dans la prière. Écoutez-moi. Alléluia. Amen. Alors, nous venons de prier pour la phase de malédiction. Maintenant, nous allons prier. Les sorciers qui sont dans ta famille, les serpents de famille, les sorciers de famille, les esprits de famille qui avalent vos bonheurs. Répète avec moi, Éternel. Les méchants de tout genre qui sont dans notre famille, qui oppressent les bénédictions des gens, les esprits méchants de famille ayant arraché nos bonheurs de nous-mêmes, combat et restitue-nous les sorciers qui sont dans la famille. Les méchants qui ne veulent pas que quelqu'un survive. Hey. Ces personnes-là qui souhaitent la mort de l'homme. Arrache-le de leurs mains. Restitue-nous-les. Arrache-les de leurs mains. Arrache-les de leurs mains. Arrache-les de leurs mains. Au nom de Jésus. Amen. Répondez amen. Mais de coucou. Mais de coucou, monsieur, m'igbo, amen. Dites amen. Amen, tchatcha, on m'igbo, amen. Dites amen. M'igba, le gars, d'ogbe, d'ake. Nous allons encore prier. Monsieur, da. Écoutez. Medina, d'asse, y'a tekbe. Alors, souvent, je rends ce témoignage. Amara, divena, vio. Quelqu'un a fait des jumeaux. N'y en ouvi, de kang, tu de ka. Un garçon, une fille. Ya. Mais quoi, c'est bien, m'idji, un tchou, alak, badoya, d'avraché. Et je pense que celui dont je rends ce témoignage, si nous cherchons la femme, nous le verrons actuellement dans ce temple. Son papa ne connaissant pas Dieu, écoutez-moi, s'il vous plaît. Quelque chose se passe. Dites éternel. Les esprits de tout genre qui veulent troubler les choses ici. Les démons qui veulent arracher nos droits et mérites. Le feu les consume. Le feu, le feu, le feu. Marabayande, Sotaba Kataka, Pakotombase, Masubra Katakaya, Marbete Tebeya, Kotombayando, Bokosiak Bobo, 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 au nom de Jésus. Écoutez-moi s'il vous plaît. Écoutez-moi s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Alors les deux, bien qu'ils soient des jumeaux, un garçon et une fille, ils sont allés changer l'étoile de la fille. Ils ont donné l'étoile de la fille au garçon et ils ont donné l'étoile du garçon à la fille.
Et tous deux. C'est l'homme ou le garçon qui a commencé par avoir la bénédiction plus que la femme. Et bien c'est la fille que Dieu avait bénie depuis sa naissance. Mais le papa lui-même a ordonné afin que les charlatans ou les féticheurs changent l'étoile de cette fille. Et elle est venue chez nous dans le camp. Par la prière, Dieu a révélé le secret. Ils sont allés vers leur papa pour l'interroger. Le papa a dit oui, c'est vrai. Le papa a dit oui, il disait que lorsque la fille va se marier, elle amènerait la bénédiction dans sa belle famille. Voilà pourquoi il a demandé à ce qu'on donne ou qu'on prenne la bénédiction de la fille qu'on donne à l'homme, parce que l'homme, lui, il sera pour toujours dans la famille. Effectivement, nous avions commencé par prier. S'il plaît à Dieu, cette fille et son mari plutôt, Dieu a changé leur histoire. Elle est la personne bénie dans sa famille, mais sa bénédiction a été échangée. Tu es la personne bénie dans la famille, mais puisqu'ils ont échangé ta bénédiction, actuellement tu es la personne la plus pauvre. Alors c'est une affaire spirituelle. Répète avec moi, Éternel. Toute personne ayant changé mon avenir, ces personnes qui ont échangé mon étoile, ces personnes qui ont arraché ma bénédiction, ce que tu as ajouté à ma vie avant que je ne naisse, combat et restitue-les-moi. Wava. Combat. Hallelujah. Aidez-moi à dire amen. Pour m'aider au lit là, il y a certaines familles. Néo y a plus si a plus qu'on veut m'y attendre bébé dama, y attendre bébé zikbema. Partout où vous allez, on vous dit toujours que c'est le serpent de votre grand-père là, c'est le trône de votre grand-père là qui est à l'origine de votre souffrance. Chaque nuit, lorsque tu fais ton rêve, tu vois toujours ce serpent là dans le rêve. Ce serpent a avalé tous vos droits et mérites. Écoutez, Job a dit, il a englouti mes richesses, que cela devienne le venin de l'aspic dans son ventre, qu'il les vomisse. Répète avec moi, tout serpent de famille, tout serpent fuyard, ayant avalé mes droits et mérites, que cela devienne le venin de l'aspic dans leur ventre, qu'ils les vomissent, qu'ils vomissent tes finances, qu'ils vomissent tes droits et mérites, qu'ils vomissent tes bénédictions, qu'ils les vomissent, qu'ils les vomissent, qu'ils les vomissent. Ne trouve.
Barabayanda. Le Jésus-Christ open comme. Au nom de Jésus-Christ. Mais des coucou midiotom. Écoutez-moi s'il vous plaît. Une fois encore, disons éternel. Si à cause de nos péchés. Répète avec moi, si c'est à cause de nos péchés. Qu'il y aurait d'obstacles à ma bénédiction ce soir. Purifie-nous par ton sang. Sanctifie-nous et restaure-nous. Ce qui m'empêcherait de recevoir ma bénédiction. Que ce péché-là quitte ma vie maintenant. Ah, donc, prie une minute. Marabayanda. Asio vene nojina ton apeto bene ko. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains et dis au Seigneur de te sanctifier. Ne kontio. Demande au Seigneur de te sanctifier. Ne kontio. Lève tes deux mains et demande au Seigneur de te sanctifier. Ton apeto be kontinye. Dis au Seigneur, sanctifie-moi, ô Père. Apeto kontinye. Seigneur, sanctifie-moi. Seigneur, sanctifie-moi, purifie-moi. De là, Jésus continue. Seigneur Jésus, purifie-moi. Si un péché empêcherait mon bonheur ce soir, continue. Sanctifie-moi. Le Jésus peut comme. Au nom de Jésus. Oh, amen. Amen. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Oui, Troya. Ce soir, tous ceux qui sont venus ici repartiront avec bénédiction. Parce que je vois dans une révélation, il y a également des gens qui voient la même chose que moi. Je vois plein de colis entassés. Pendant que mes yeux sont fermés, j'ai ouvert les choses, les yeux pour voir si peut-être je confonds la chose à quelque chose dans le temple. Et l'Éternel continue par me dire, puisque tu es... Amen. Pour que tu t'es préparé. Pour que l'histoire de ce peuple change, moi aussi je me suis préparé pour changer leur histoire. Mon nom est béni. Béni est mon nom. Que Satan le veut ou pas, ça c'est mon nom. Le service d'accueil et de délivrance à la vigilance et à l'habileté. Parce que Dieu va déverser une grande bénédiction. Et la bénédiction céleste.
Yaira aku aku. La bénédiction authentique est pure. Cette bénédiction que tu jouiras, y compris tes enfants. Tes petits-fils, tes arrière-fils en mangeront. Cette bénédiction est descendue. Recevez la bénédiction maintenant. Recevez la bénédiction maintenant. Esprit de pauvreté. Plus bagage. Effet doudou. Endettement. Ne protège pas. Il plie bagage. Et nous massa massa. La main vente. Ne protège pas. Il plie bagage. Agble de magnon. Récession dans l'agriculture. Ne protège pas. Il plie bagage. Et l'agni magnon. Récession dans l'élevage. Ne protège pas. Il plie bagage. Fils à fille qu'elle est. Partout où tu es. Nous sommes en awo. Tout ce que tu feras. Chogbi adjila. À partir d'aujourd'hui. Et mené nyona. Reçois la prospérité à tous égards. Emene nyona. Prospère à tous égards. Emene nyona. Prospère à tous égards. Et gao be feine duna. La dette que tu traînes au quotidien. Mais donc be la pipilai. Je prie maintenant. Et fe duduna potakba. Que l'endettement plie bagage. Et fe duduna potakba. Que l'endettement plie bagage. Miame yo slodo. Vous qui aviez appris un métier. Kabitado. Vous êtes menuisier, tela, couturier ou couturière, maçon, maçon, agbede, mécanicien, et daotonenye, coiffeur ou coiffeuse, enye dreva, tu es conducteur ou chauffeur, enye ferrailleur, ferrailleur, enye staffeur, staffeur, électricien enye, tu es électricien, électricien bâtiment alors auto, tu es électricien bâtiment ou auto. Mais donc, mais la fille, là, je prie maintenant. La bénédiction descende sur vous. Elle nous sème. On dit les choses se compliquent. Les Togo, les Africains, les choses sont dures ici au Togo, en Afrique et à travers le monde entier. Oh, oh, là. Mais toi, yaira ne vague, que la bénédiction vienne dans ta vie. Et donc, va voir. Et donc, reçois l'emploi. Et donc, le travail. Tu partiras de ce lieu. Et tu seras afflué par des clients. Vous qui êtes des directeurs de sociétés, directeurs d'entreprises. Vous aviez fait des dépôts de dossiers. Que l'Éternel vous ouvre des portes. Appel d'offres de Sia de Iwawa. Tous les appels d'offres qui auront lieu. Yehowa ne voit bon ami. Que l'Éternel vous ouvre des portes. Nko neto le wame. Que tu sois retenu. Mi ame onye fonctionnaire. Vous qui êtes des fonctionnaires d'État. Eye maudo tamere ya domineji. Dieu a prévu vous élever. Wetroya. Ce soir. Bakpa vomegbea. Après ce programme. Les mois à venir, tu auras la promotion. Les familles qui sont liées par la pauvreté. Partout où tu es, le Saint-Esprit te délivre maintenant. Aha! Oui. Aha! Oui. Aha! Oui. Aha! Oui. Esprit de pauvreté. Et le job. Il part. Elle est tôt. Il part. Mais n'y a qu'un viateur. Tu n'es pas un paresseux. Va au Wedouayawamo. Mais tu es le plus misérable. Et Bella. Aujourd'hui. Et Kamana tout l'entio. Que ce lien soit brisé de ta vie. Et Kamana tout l'entio. Que ce lien soit brisé de ta vie. Et Kamana tout l'entio. Que ce lien soit brisé de ta vie. Agnigba mawonukuo. Les sols infertiles. Nemi panu agnigba ne wonukunami. Désormais. Lorsque vous allez semer les choses, que ces sols vous soient productifs. Mais donc, Benade Miata. Je prie maintenant pour vous. Partout où tu te trouves dans le monde. Le Saint-Esprit te délivre de la pauvreté. Dogola Hedadame. Sors 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 de la pauvreté. Fifila. Maintenant même. Esprit de pauvreté. Le Saint-Esprit te libère. Saint-Esprit. Va hors de la clôture. Va derrière l'enceinte. Saint-Esprit.
corps. Toute ta personne confondue. Le monde entier. À travers le monde entier. Et yokel ekbedodorayame. Qui dans cette prière. Tu pone vous koremiaji. Que les cieux s'ouvrent sur vous. Mikoya iraya. Recevez cette bénédiction. Chokbela. À partir d'aujourd'hui. Miento miadu miabasi menu. Vous mangerez le pain de vos mains. Vous mangerez le pain de vos mains. Je prie pour vous. Dans le marché. Tu seras la tête. Les clients qui t'avaient oublié. Le ciel les attire vers toi. Vous qui aviez fait des prêts à la banque. Et Tchadjodagbe. À partir de demain lundi, clients, les gars, chomi la siame. Vous serez encombrés par des clients dans le marché. Et nous, mais ça, quoi, la vente que tu n'as jamais connue. Et les gars, c'est à tout faire. Tu auras cette vente et tu iras éponger ta dette. Ne m'en pas même. Si je suis vraiment un serviteur de Dieu, et ces paroles s'accomplissent dans vos vies. Que Dieu libère ceux qui sont dans les loyers. Sors des loyers. Sors du loyer. Sors du loyer. Sors du loyer. Que Dieu te donne un terrain. Que Dieu te donne un bon véhicule. Que l'éternel Dieu entraîne la bénédiction vers le toi. Yesu ben kame. Au nom de Jésus. Le Yesu ben kame. Au nom de Jésus. Yehu katato. Éternel Dieu Tout-Puissant. Vous dites pour nous. Ouvre les cieux. Vous dites pour nous. Ouvre les cieux. Ne maouye ouwe Yehova. Imi tchatu tutu. Si c'est vraiment toi, éternel, que nous avions choisi. Yami me jesi amare kekbe de mou. Et nous ne connaissions personne d'autre à part toi. Yehova. Éternel, c'est toi qui as béni Agur. Et cela est écrit dans la Bible. Il a prié qu'il ne sera plus pauvre. Aujourd'hui, que cela quitte aussi notre vie. Que cela quitte aussi notre vie. Nous serions la tête et non la queue. Et bien, Abraham be yaira. Tu dis la bénédiction d'Abraham. Accorde José ton kataji. Viendra sur tous les chrétiens. Et waï trosubala oji. Et elle s'étendra même jusqu'aux païens. Chomia oji yaira la bakore hiyame. À partir de nous, la bénédiction s'étendra sur le monde. Et ata hotipo be yaira. Pour cela, reçois la bénédiction divine. Hotipo be yaira. Reçois la bénédiction divine. Hotipo be yaira. Reçois la bénédiction divine. Ne dardez le miabe famille. S'il y a un serpent dans votre famille. L'épée à double tranchant du ciel. Charcute maintenant ce serpent. S'il y a une sirène. Un trône ancestral. Une dangereuse idole. Le feu l'attaque maintenant. Soyez prospères à tous égards. Soyez prospères à tous égards. Papa, Père, je te rends grâce. Pour le monde entier. Et je te confie tous les chefs d'État, toutes ces personnes que tu aimes, et tu les as confiées les nations. Papa, Père, je te les confie. Mais l'intelligence que tu possèdes, donne-les en partie cette intelligence afin qu'ils puissent diriger leur nation. L'amour qui est en toi. La bénignité qui est en toi. La bonté qui est en toi. Éternel, mets cela en eux. Afin qu'ils puissent diriger les nations. Tous les ministres d'État. Les députés. Les préfets. Les maires. Éternel Dieu, les colonels, les officiers, éternel, les commissaires, éternel Dieu, je prie maintenant. Je te confie tous les rois traditionnels, tous les soldats confondus, gouverneurs, les gouverneurs, les ambassadeurs, les diplomates, tous les Togolais à l'étranger, prospèrent à tous égards. Ceux qui cherchent des papiers de pièces d'identité, qui cherchent d'emploi,
qui veulent se marier, ceux qui cherchent d'enfants, surtout la bénédiction, qu'elle descende sur eux. Qu'elle descende sur eux. Qu'elle descende sur eux. Père, une fois encore, je demande la paix. La paix au Togo. Éternel Dieu, à partir du président, tous les ministres, tous les fonctionnaires d'État dans ce pays, Éternel veille sur tout le monde. Et je prie partout où se trouve un Togolais à travers le monde entier, Éternel, qu'il prospère à tous égards. Je te le rappelle toujours, les serviteurs de Dieu qui travaillent pour toi dans la vérité, à travers le monde entier, veillez sur eux, eux-mêmes, leurs épouses et leurs enfants, qu'ils continuent à travailler pour toi. Nous arrêtons les crashs des avions, nous crashs des navires, accidents des véhicules, accidents des motos, incendie des entreprises. Nous arrêtons toutes ces fléaux. Tous les soldats en mission à l'extérieur, à travers le monde entier, veillent sur eux. Ils regagnent leur famille en paix. Au nom de Jésus, que ta bénédiction vienne sur ton peuple. Que ta bénédiction vienne sur ton peuple. Amen. Dites Amen. Alléluia. Je veux voir la main d'une personne bénie. Voilà. Alors c'est les œuvres de tes mains sont bénies. Tu jouiras des œuvres de tes mains. Les œuvres de tes mains. Tu jouiras des œuvres de tes mains. Cela s'accomplit ainsi dans ta vie. Partout où tu passeras, tu connaîtras la prospérité en ce que tu entreprendras. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Afima, avant de clôturer, je voudrais le rappeler. Nous tous qui sommes venus ici, faisons un effort. Soyons des chrétiens fidèles. Jésus a dit, personne n'est bon si ce n'est le Père. Mais nous-mêmes aspirons au bon. Et Dieu nous aidera. Je prie qu'après ton départ de ce lieu, ton histoire changera. Notre histoire changera. Notre histoire changera. Que le Créateur des cieux et de la terre vous bénisse. Avant de remercier, écoutez donc ces annonces. Dieu m'a fait grâce. Oh, alléluia. Amen. En juin, je devrais rendre ministère en France. Mais à cause d'un petit souci, je n'ai pas effectué le voyage. Quand même, le ministère a été rendu en direct. Et ceux qui nous ont suivis dans le direct, bien que ce soit dans un direct que le ministère a lieu depuis la France, le Seigneur a guéri les gens ont reçu la délivrance, plusieurs personnes ont été délivrées, les blancs comme les noirs. Oh, alléluia. Amen. America.
Alléluia. Aye, et ta me toi me ma wodole out mea afishawa zadeya miakpo le WhatsApp oji bakple miakpo le miabe group vovovo bakple Facebook YouTube ple taoji aye miak bakpo vidéo ike la bafonu po sonti mi yone be sputa cha miakpo aye magbe bena Utia ben keke aton banan keke adia ami oke bema gatrova yogba le France enye wope jijibe mia dada mia fofo mia no vitogo tokpa mi okata jesimi be mia va le pasteur okpa me bu bwa odomela o le glon pe susu ya be na me dodo lonloa o le ma fiche avo ike lani le 5 au 6 Le tien est ni avec quelque adin, à temple adin, à ton aligné même d'agbe. Et adin, elle est ni considéré comme une tronc quelque v. Yé, maintenant bon à où les y a tabé, ma tobo, l'Europe mais le France, le Paris, ma ou dans les films mafia du Amérique. Aïe, ma va ou dans les États américains. Ta, mia dada. Mia dada mia fofo yo kata l'Europe Europe mia mitro yo eye mia ga trop blen na mi yo nya me nya nya obe eye u vanyi cho me pomo la yesu ga wa menu bebe le peleti e nyi igbona ben keke aton pla den la ah ma va to gbo eye ma wo do pon keke ve afia jo ya America afi mia va wo do America atro gbo va ne me degbe fa ya ola pe susu ya be ami o kata no na direct me pe mi le yiye go ne amia watin po amen veve ya mi gbo be amen amen alors je rappelle donc comme le programme de la France n'a pas lieu en présentiel chez eux les organisateurs ont vivement souhaité à ce que je vienne encore rendre ministère en présentiel. Et après les discussions, la date qui a été retenue, c'est le 5 et 6 août prochain qui ont été retenus pour ce programme en présentiel, bien sûr, à Paris. Pour ceux qui ont encore leurs proches, bientôt, vous verrez ou vous voyez déjà les affiches qui circulent sur nos différents réseaux. Partagez ces affiches, informez vos proches qui sont en Europe, afin que ceux qui étaient là la séance dernière en France et ne m'ont pas vu en présentiel, qu'ils puissent faire un effort pour être là. Et le 5 et 6 août prochain, nous serions bien sûr ensemble à Paris. Et vous le savez bien qu'en août, je vais rendre ministère en France, dans trois états, bien sûr, plutôt en Amérique, dans trois états de l'Amérique. Et je vais passer bien sûr par la France d'abord avant de continuer sur l'Amérique pour rendre ministère toujours dans le mois d'août. Et je crois que ce serait un programme qui fera du bien à ses proches qui sont dans ces zones. De même si Jésus ne revient pas, le vendredi prochain, je rendrai ministère au Brésil. Je rendrai ministère vendredi et samedi au Brésil. Et je prie que le Dieu Tout-Puissant change ton histoire. Les années à venir à pareil moment. Lorsque je vais encore préparer un voyage, tu diras homme de Dieu. Je voudrais aussi t'accompagner dans ton voyage. Parce que le Seigneur t'a béni en abondance. Et la bénédiction que tu as, tu peux prendre une partie de cette bénédiction là pour aller évangéliser et revenir. Ça n'aura plus lieu. Ça n'aura plus lieu. Ça n'aura plus lieu. Amen. Dites amen. Lorsqu'il y a le match dans le monde, vous verrez que les mondains vont acheter des billets d'avion
eux-mêmes et leurs concubines. Ils effectuent le voyage juste pour suivre le match. Mais malheureusement, nous qui sommes les chrétiens, lorsqu'il s'agit de ces voyages et autres, c'est nous qui nous lamentons beaucoup plus. Mais je prie, cela n'aura plus lieu dans nos vies. Qui sont ceux qui se réjouissent par rapport au programme de ce soir? Êtes-vous content, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Vous êtes bénis. Nous allons remercier Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Ça va, ya. La dernière fois, je parlais de la grâce. Et nous serions dans cette grâce-là jusqu'à la fin de ce mois. Alors quand je vais commencer par chanter, que tout le monde se réjouisse pour venir remercier Dieu. Hallelujah, ma. We never knew. Yeah, ma. We never knew. Hallelujah. Hey, I
une seconde. Disons éternel. Je te confie ton serviteur, nous m'envie d'Oji Paul. Sa femme et ses enfants. Les pasteurs, les missionnaires, leurs épouses et leurs enfants. Tous les ouvriers. Nous te les confions. Tous les complots. Élaboré contre ton serviteur, spirituellement comme physiquement, dans cette prière, combat pour lui. Priez maintenant pour nous. Priez maintenant. Nous avons prié au nom de Jésus. Je voudrais d'abord saisir de cette opportunité pour remercier tous ceux qui ont observé le jeûne et prière le vendredi dernier. En notre faveur. Ça ne s'arrête pas là. Dans vos maisons. Dans vos prières quotidiennes, je n'ai pas besoin de beaucoup de choses, mais dis à Jésus, je te confie ton serviteur Paul Dojinomon, sa femme et ses enfants, je te les confie, veille sur ton serviteur, oins-le, partout où il ira, qu'il aille pour la gloire de ton nom. Après cela, continue ta prière. Les pasteurs, les missionnaires qui travaillent avec nous, disent à Dieu de veiller sur eux. Façon dont je me souviens quotidiennement de vous dans mes prières, vous aussi souvenez-vous de moi dans vos prières. Il est prévu que nous allons clôturer à 18h. Il reste encore 6 minutes pour 18h. Je crois que je respecte l'heure. Que Dieu vous bénisse. Salam, 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 salam. Et voilà, nous sommes à la fin du programme de ce soir. Ah oui, shalom chers téléspectateurs de la JSTV, soyez encore bénis ce soir, le Seigneur nous a fait grâce. Et ainsi nous sommes à la fin de la prière de ce soir qui est organisée spécialement en faveur des opérateurs économiques, les artisans et toutes personnes qui exercent un métier. Ainsi prend fin la prière. Et le Seigneur s'est manifesté, le Seigneur est son serviteur, et vraiment, bien des choses sont produites. Mais nous pourrons partir d'ici sans vous présenter quelques amis, quelques frères qui sont très contents pour nous présenter leurs émotions. Alors frère, bonsoir. Bonsoir. S'il vous plaît, veuillez vous présenter. Bon, je me présente Sani Albert, je suis à la fois étudiant et à la fois enseignant. Très bien, monsieur Sani, vous êtes à la fois étudiant et enseignant. Et dites-moi un peu, en combien d'années avez-vous connu le centre de prière Jésus est la solution? Bon, j'ai connu le temple de Jésus est la solution, particulièrement à Gbalepédo. Ça fait banalement un an et quelques mois. Ça fait un an et quelques mois. Parlez-nous un peu de votre vie avant et après avoir connu Jésus est la solution. Bon, banalement, je rendrai premièrement grâce à Dieu de m'avoir fait connaître le temple Jésus la solution. Oui. Car avant, bon, j'avais une vie, je me débrouillais, mais il y avait des vents, des difficultés dans ma vie. Et quand Dieu m'a fait grâce, j'ai connu ce temple, bah, franchement, que je pouvais dire que il n'y a rien de plus bon que ça. Alléluia. Il n'y a rien de plus bon que ça. Ce qui veut dire que le Seigneur Jésus a totalement et complètement restauré votre histoire. Et ainsi dans votre carré d'enseignement, j'espère qu'actuellement,
Oui, actuellement tout va bien. Et banalement même, bon, j'ai voulu, après l'enseignement, foncer un peu plus dans les études. Et des deux côtés, je rends grâce à Dieu que tout avance. Alors que le Seigneur vous bénisse, spécialement pour le programme de ce soir. Et qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport aux prières et l'enseignement que l'homme de Dieu a fait ici? Au fait, pour le programme de ce soir, nous dirons c'est très waouh. Car au fait, déjà même voyant l'atmosphère, oui, voyant la foule, l'arrivée de l'homme de Dieu, on sent une présence intarissable de Dieu. On sent une carrure de ce qui s'est passé cette soirée. Et vraiment, je pense que après que tout le monde va quitter ici, il y en aura un très grand changement. Et franchement, disons la vérité, je suis très inondé de joie et je rends grâce à Dieu pour la vie de l'homme de Dieu. Amen, amen. Vous êtes très inondé de joie et vous rendez grâce pour la vie de l'homme de Dieu. Mon frère, que le Seigneur vous bénisse. Je sais que dès demain déjà, la grâce a déjà commencé son travail. Elle vous localisera, elle vous accompagnera dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis. Anyamia tomne na ji en make mia na do le mia gbala fia e mia khoz de kake e mia de kuku mia no ala oyona mi o amedro ajo anyamia de kuku e doka mi ona mia no usananu la sigame fine mi sananu le asigame e ya webe do gododo e ke mo fa mi ayo le sien ya be mia do gbera de jua e joji na never na tem agbrenam to gai me kene tem do go be do da fe ya. Elle va me bé 2014 et me je suis et toi dit 2014 et je suis toi dit et me kenne tu vas do je suis toi dit aller que me do je suis tiare et me kenne va do je suis le que dododo que va agbomena tem agbronam pour veba ma wa tronchi nya sugbo e wonu gede nam e me le da si pe ipo mam no kaka jo la nyigbe aji. Amen. Hey, ya webe, hey, make me from your way, ya de. Hey, make me from your way, but do they come here today? No, can't even walk down the street. Not even agronomy. No good. I want no good now. I want no good now. My land, my tom. Let me put my tom down here. I me va outro ya. My name is Totro Gande Geje Agbenyama. Amen. Amen. Enyo. Totro Gande Geje Agbome. E me kwesebe enu ya temo fo me ayomido. E ye me biacho mo gbobe ne jeyo menami. E chone mi ida si amela enu one ganyo de ji chouta. Amen. Amen. Oyila papa gbogbore. Ba une ga si ami ne wule ke. Ne ga si ne ga si ne ke. Ne do ga po ba une. Le Yesu fo nka me. Amen. Mi ana oyira gbogbore. Yesu ni na nyikule mi. Amen. Mama. And you are coming on a Yamiano de Gavamia, but not a minute cuckoo allo yonamio. I am Tata Deborah. Tata Deborah, yes, we rami. Made the cuckoo docamiona. The cuckoo tell I mean, tell I mean, eh, Georginam to. Come on, you are to find your dwaller. Eh, oui? Oh, yes, we rami, Vava. And you made the cuckoo, Mama, me, Bob, but you're off here at them all when an air. Depuis 2015, je suis Bedora Péa. 2015. Yeah. Rafi n'a pas de Bedora Péa, vous dors Péa. Mon dors Péa, apprenti d'état, et tu envoies examen, pas voir. Le toit, tu vas voir, mais tu peux voir, il y a un bac le soir, il y a un peu de soir, après. Miento, il est miento, va pour me. Hey, et sur un bac, on dors Péa, la flamme. Hey, Baba otroya be ma gado gbara na ye wa ma o bene na ma pranti wo kema aya we be e ne ba to gbede ne kwese be apranti o avone la gbo soso me abi ale kema o fa mi agbrene a mo kwese ye mo kareji be apranti o ja fa la gbo soso me la be na ye wa ma o be ya to pe ba mi si amra be nyachi e nya ye ke to otroya e nya e jojinam mi hle nule e proverbe 30 verset 7 à 9 ans. On peut nous procurer à curiti. Là, il y a curi donc pour un ayeho à Mau. N'engba nabe bagage nous vomeo. N'engba nabe bagage de te bomeo. Il y a des petits ayeho à Mau c'est à curi ben pour d'autres ayez ben ouéné. Mon roi c'est mon carrière ben ayeho à Mau à ouéné n'ira. Amen. Amen. Miano. Oira. Comment mon roi c'est ben et toi agaire du amen. Oh, tu m'as aidé du amen. Eh oui. Eh, m'as aidé du amen. Ayez mon tout mon popo y a dit. Yé mon Dakbena maude mauba misiam na numo vido ji bagbeta. Ma dakbena maude do ola kata bagbeta. Na Yehowa maumu ke chamusu ya le dogo ya. Mia meroa fike mia no. Maule tweji. Mia mageta lao mitro lesu.
Hein? Moi, le toya m'a dit le trou, mais ben tigna. Oh, moi, le toya m'a dit. Hein? Le wonou kere le mia bak bon, mais tu connais siamine. Baka siamine ke, me le kloye ya kaka soye ti me ke. Ve ye ho a mao, ne kwe ba mi si kwa tia kwa tia reba mi siamina ji. Nanu kunu bedo wo. Amen. Amen. Niano. Enyo yesu ne irami. Ke amare ke me va et tu as dit quoi ame ke me jesi Jésus est la solution na nya ke na tem agrana mama. Miato mi ame o mpo ko mi aba fo ka Jésus est la solution. Miato mi na se nko avolo o be solution. O be solution lo. Problème ke le wa gbe me o. Ma be fo Jésus est la solution. Amen. Problème la cho ay solution la va. Nya to mo so bana la fine. Pour que me voie Jésus la solution à problème au le jour de cas de cas de cas de cas wakata au jour le droit y'a pio dame le oyo yon a marre pour tu voie Jésus la solution lo. Amen. Amen. Nena oyira 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 enyo kosira bokona. Amen. Amen. Enyo mienu a dit enu ma kemia jadare le miyakwa la fia eye ma ufe mienu ya tepe abele kemia kwe lelela ma ufe mienu kwe jero emye wole pame mienu pakpa menye ya alors ainsi. Chers téléspectateurs de la JERCV, restez bénis, soyez câblés, parce que le Seigneur vient encore d'accomplir des merveilles, des miracles ce soir. Le Seigneur l'a fait. Voyez un peu la foule, voyez un peu la foule, voyez son temps de...